Bonjour, donc je m'appelle Daniela Conti, et on me propose un peu de présenter ma vie, qui je suis, et j'ai vraiment envie de dire ça presque dans un éclat de rire, quoi. 71 ans, une vie de galère pour arriver à ce plaisir d'être vivante, quoi, à chaque instant, en constatant que tout ce qu'on traverse, tout ce qui nous arrive, est toujours la situation parfaite dont on a besoin. Donc je ne sais pas si je dois me définir mon parcours, c'est beaucoup de choses, beaucoup de souffrances, pour arriver à une grande légèreté. Et le plaisir de transmettre à travers mon parcours, ce qui peut aider justement à comprendre les situations et voir le monde d'une façon tellement plus apaisante et plus agréable. Donc peut-être, comment dire rapidement, mes premiers pas ont été comprendre que la maladie intelligente, que rien ne nous menace, qu'il n'y a rien de méchant, de mauvais, que les microbes, les virus, les champignons, ce sont nos amis qui travaillent pour notre bien, pour évacuer ce que nous construisons, dans la nécessité de voir tout ce qui nous encombre. Donc ça a été les premières étapes, et puis dans le travail que je fais, où on regarde le passé mais sans s'y attarder. Parce qu'il suffit d'avoir conscience que comment nous sommes conditionnés par le passé pour après donner notre énergie et notre présence à ce qu'on a à vivre. Donc je ne sais pas si ça te suffit, mais en gros c'est vraiment ce plaisir quoi, que je suis d'être dans la vie de tous les jours, aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu dirais qui t'a aidé du coup par rapport à ces galères, par rapport à retrouver cette légèreté? Alors, donc, prendre conscience de comment nous sommes conditionnés à vivre les choses dans la peur. Et comment peut-être, ça a été aussi une création, comment les religions qui avaient à la base des vérités, des sagesses ont été récupérées par des hiérarchies pour conditionner les gens. Et comment ça continue? Comment les banques nous conditionnent? Comment ce qu'on a à faire de mieux aujourd'hui, c'est prendre la responsabilité de qui nous sommes au-delà des peurs. Et donc, tous ceux qui nous libèrent des peurs, nous conduit sur ce chemin d'autonomie, de responsabilité et de joie de vivre, de gaieté, de... Voilà, c'est vrai que mon parcours a été difficile et douloureux, mais je tiens à souligner comment on s'affranchit de tout ça. Donc, la compréhension de l'intelligence des maladies, d'abord. Et puis ici, peut-être la première étape, ça a été quand même changer mon alimentation. C'est peut-être ce qui a permis de construire une santé physique avec laquelle j'ai pu assurer les galères suivantes. Donc je suis crudivore depuis 30 ans, depuis 1984, je suis fière. Et bon, je ne suis peut-être pas un exemple de santé parfaite, j'ai quelques dents qui manquent, j'ai un squelette à 71 ans où je suis pas, j'ai pas quand même le corps d'une danseuse. Mais grâce au cru, j'ai pu traverser toutes ces situations, être malade de temps en temps, mais avec une légèreté magnifique qui permet à la maladie d'accomplir son œuvre, de nous rendre plus entiers, plus conscients de ce qui peut être derrière nous, pèse encore. Parce que, sans vouloir trop insister quoi, sur le poids du passé, mais nous ne sommes que cela.
Il y a des maladies qui ne s'expliquent que par les mémoires que nous portons de lorsque nous étions des poissons, par exemple. Et c'est vrai, quelque part, que le passé qui nous conditionne détermine notre vie. Ça déplaît à beaucoup de gens, de réaliser que nos vies, quelque part, sont écrites, qu'un destin est tracé. Les étapes de libération sont d'abord cette prise de conscience, comme Jung disait, ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Donc commençons à nous retourner et à voir comment peut-être une grand-mère morte, un accouchant, détermine mes appréhensions dans ma vie sexuelle. Surtout si je suis un homme, parce que je porte les mémoires que la sexualité peut tuer. Donc, quelque part, nous ne décidons pas dans la vie les galères auxquelles on va se confronter. Et l'affranchissement de tout ça est, dans une phrase, encore Jung a très bien compris, il a dit « Nous avons la liberté d'accepter notre destin ». Pas de façon passive et résignée, mais quand on voit la justesse de tout ce que nos vies nous permettent d'explorer et de mettre à jour, et quand donc nous sommes en paix avec notre passé, alors nous sommes libres du passé, affranchis du passé, et là la vie est surprenante parce qu'elle change radicalement. Je ne pouvais pas imaginer, avec le passé de galère que j'ai eu, 3 divorces, beaucoup de maladies, j'aurais pu faire tous les cancers possibles, quand je réalise à quel point j'étais en souffrance, bien névrosée, bien malade, et malgré cela, de voir l'état de bien-être où j'ai abouti, quoi. Donc, accueillir notre passé, oui, et de voir comment je ne pouvais pas imaginer une vieillesse aussi riche et belle. Depuis plus de 14 ans, je travaille tous les dimanches, soit en France, soit en Italie, à part Noël et Pâques, sans faire de pub, sans... dans la joie de transmettre ce qui m'a aidé, quoi. Donc voilà mon témoignage, parce que parfois les gens pensent que le travail sur le passé c'est inutile ou c'est un encombrement. Il y a une façon de regarder le passé qui n'est pas celui de faire une longue psychanalyse de 15 ans qui nous achève, mais un regard sur le passé avec légèreté suffisant pour aller dans le présent avec la gratitude pour ce qui nous a donné à vivre. Et là, c'est de la magie quotidienne. On rencontre les situations parfaites, on va vivre ce qu'on a besoin de vivre, et c'est que du bonheur. Et alors du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement sur ton travail par rapport à ce passé ? Alors, le travail que je fais depuis 14 ans, donc est un travail de psychogénéalogie, donc j'ai trouvé l'aboutissement dans les constellations familiales. C'est vrai que je le fais peut-être pas comme la plupart des gens le font, surtout en France. Beaucoup de constellateurs en France ont, je dirais, récupéré quelques... connaissances que Bert Hellinger avait transmises. Bert Hellinger est le créateur des constellations familiales, mais dans l'ancienne culture de peur, de problèmes à résoudre. Et donc, peut-être que les constellations ne sont pas vues, surtout en France, dans le potentiel libérateur qu'elles proposent. Et donc, ce que je fais est quelque chose d'assez synthétique dans une journée, parce qu'une journée me permet de toucher pas mal de gens. On peut se libérer une journée, donc à des tarifs très très abordables. Et là où, en Italie du Sud par exemple, là où actuellement la crise économique est vraiment grave, énorme, je fais ça gratuitement.
Et je m'engage, si la France est en crise, je le ferai aussi en France gratuitement. Mais je suis une des moins chères dans toute la France et de toute l'Italie. Et donc, dans ce cadre d'une journée, je propose quelque part ce qui autrefois était considéré un éveil, prendre conscience de comment nous sommes conditionnés, parce que ça, c'est la première étape, et de comment, tant que nous nous croyons des victimes de nos situations de vie, eh ben, on va enrichir beaucoup de thérapeutes, et aucune thérapie ne va me permettre de m'alléger. Prendre conscience de comment je crée, avec le passé qui me conditionne, les situations parfaites de mes galères, de mes maladies. Et à partir de là, donc je ne sais pas le temps que j'ai, mais pour être brève, à partir de cette prise de conscience, après, on profite du travail magnifique de Bert Hellinger, de 50 années de thérapie familiale, où, avec une précision de laser, il a compris ce qu'il appelle, lui, une science des relations. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des individus en chair et en os, comme on croit et on imagine dans notre culture. La physique quantique nous dit que nous sommes des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire de l'énergie pure, nous sommes de la lumière. Et si nous sommes cela, en tant qu'individus, nous vibrons, nous sommes dans le plus grand potentiel de nos vies quand nous sommes ouverts aux relations, toutes les relations que la vie nous offre. Et là, nous prenons conscience comment le monde d'aujourd'hui nous pousse au contraire dans des stratégies de protection, de défense qui nous isolent. Et s'isoler, c'est aller vers la maladie, la souffrance et la mort. Parce que, en tant qu'onde électromagnétique, isolée, ben je ne suis pas vivante, je m'étiole, je m'éteins. Et donc, on regarde la manière d'être en relation, et ma façon d'être en relation avec le monde est déterminée par la relation à ma mère, qui a été ma première relation. Donc le gros du travail, c'est d'abord ici, ça commence ici. Parce que si je n'ai pas voulu le voir, si je considère que c'est une relation qui est derrière moi et que je crois que je vais pouvoir vivre ma vie sans avoir honorer ma mère, comme nous disent les grandes traditions. Et honorer ma mère, ça veut dire sortir des images que j'ai construites avec les souffrances de mon éducation, parce que tous, si on vient sur Terre, c'est quelque part pour avoir des clashs avec les autres, pour faire grandir l'être que nous sommes. Donc il y a peu de gens qui peuvent dire « ma mère m'a aimé d'un amour inconditionnel ». Et donc, tant que reste le moindre reproche, qui peut être « elle ne m'a pas inscrit au cours de danse » ou « elle m'a abandonné, elle m'a mis dans un orphelinat ». Donc tous ces reproches, objectivement, sont justifiés. Mais tant que je reste dans ces reproches, on comprend que je ne vois pas ma mère, je ne suis pas en relation avec ma mère, mais avec l'image que j'interpose entre moi et ma mère. Tu ne m'as pas inscrit au cours de danse, tu m'as abandonné, tu as préféré ma sœur. Et c'est là où il y a le travail essentiel à faire. Prendre conscience que si nous sommes vivants, c'est l'onde de vie qu'elle était, que nous sommes nous-mêmes, qu'elle nous a transmis. Et tant que nous ne reconnaissons pas cela, on va continuer à vivre avec des pots de saucisson devant les yeux, les images qui me séparent de ma mère et qui vont être les images qui me séparent de mon partenaire, les images qui me séparent de mon chef de bureau insupportable. Et moi, j'ai accepté ma mère
et plus je vais reproduire la même situation dans toute la vie. Parce que ça, c'est la physique quantique. Ça, peut-être, je tiens à l'expliquer. Parce que c'est une chose importante. Et si les gens qui m'ont écouté ne retiennent ne serait-ce que ça, ils n'auront pas perdu leur temps. La physique quantique, donc, il y a plus d'un siècle. En 1911, quand les scientifiques de l'époque ont eu des microscopes assez puissants pour explorer ce qu'il y avait derrière l'atome, ils se sont rendus compte que d'abord la matière n'existait pas, quasiment pas. Pour les 7 milliards d'individus que nous sommes, la part matérielle peut être contenue dans un petit pois. Pour les 7 milliards, pas par individu. Et aussi ils se sont rendus compte que quand ils s'intéressaient aux particules, derrière le microscope, ils avaient des particules. Quand ils voulaient étudier les ondes, ils avaient des ondes. C'est-à-dire que depuis plus d'un siècle, on sait, mais on a eu du mal à l'intégrer encore aujourd'hui, qu'il n'y a pas une réalité extérieure que nous observons, que c'est notre pensée qui détermine ce que nous observons. Et à partir de là, quand je comprends que je crée ma vie, que je crée les situations que je vais vivre, qui me plaisent ou qui me déplaisent, que j'assume la responsabilité entière de tout mon vécu, donc que je ne suis pas une victime, que moi-même, je ne fais que contribuer à créer les situations d'abandon, de rupture, je dois comprendre aussi que ce que je refuse m'enchaîne totalement. Je ne fais que le reproduire continuellement. Ce que je refuse, donc, je vais le créer continuellement. Et donc, tant que je reste avec un a priori, même infime, qui met une distance entre moi et ma mère, je ne suis pas en lien avec le monde. Je trimballe cette névrose, parce que la névrose, c'est ça, je ne suis pas dans ma réalité. Et ma réalité, c'est que je suis née d'une femme, cette femme, qui a risqué sa vie pour que je sois vivante. Et donc, je ne peux avoir que de la gratitude pour elle, parce que même si elle m'a abandonnée, je regarde derrière elle. C'est là où le passé a un intérêt. Et une mère qui abandonne a été abandonnée. On regarde donc comment il n'y a pas de gentil et de méchant. Comment le monde n'est que un jeu de marionnettes où entre le violeur et le violé, il n'y a pas de grande différence. Parce que c'est comme un rendez-vous pour étaler au grand jour un scénario qui était déterminé d'avance. Si je porte des mémoires de bourreau dans ma famille, par ça, bon, c'est peut-être un peu long à expliquer complètement, mais par fidélité familiale, parce que la vie n'est que échange. Depuis les premières molécules qui prenaient et qui expulsaient, toute relation est comme ça, est un échange. Et ça se joue aussi sur plusieurs générations. Si dans ma famille j'ai eu un bourreau, pourquoi par exemple la famille Kennedy, il y a eu autant de jeunes, plus d'une dizaine, qui sont morts de façon accidentelle, tragiquement moins de 40 ans. On peut trouver des réponses quand on regarde l'arrière-grand-père, enfin, ou le grand-père de John Kennedy, qui a créé le nom et la richesse de la famille, peut-être sans conscience de tous les ouvriers qui avaient donné leur vie en creusant des puits de pétrole pour que cette famille soit riche. Alors d'autres, les derniers, sont prêts à donner leur vie pour équilibrer. Donc dans ce regard-là, si je viens d'une famille de bourreaux, je vais me comporter en victime. Et si je viens d'une famille de victimes, je vais incarner le bourreau. Donc, je ne sais pas le temps que tu me justement, donnes, si ça t'intéresse. Oui, justement, c'était une question que je voulais te poser, justement, par rapport aussi à la loyauté dans les lignées, comment ça pouvait se reproduire, donc vas-y.
Et alors, si on continue sur cette idée-là, qu'il n'y a pas de méchants et de gentils, et ça nous sort vraiment du monde judéo-chrétien de 2000 ans qui nous a gardés dans la peur. Un monde où justement il y a comme des malédictions dans les familles. C'est comme ça qu'on voyait le passé. Les choses mauvaises qui se répètent, on les interprétait comme des choses qui nous faisaient dresser les cheveux sur la tête, et donc on n'avait que le refuge de la spiritualité, mais d'une façon infantile. Dieu protège-moi, comme Anne Romanoff qui, dans un sketch, elle qui était phobique des avions, un jour se retrouve dans un avion et elle dit ben, « quand j'ai attaché ma ceinture, j'ai retrouvé la foi et j'ai prié, Dieu, si tu existes, je t'en supplie, protège le vol à 380, en particulier le siège 32. » Voilà notre spiritualité jusqu'à aujourd'hui. Protection par rapport à tous les dangers qui nous guettent, aux méchants qui veulent notre peau dans un monde de Darwin, hein, où c'est le plus fort qui gagne, où on a une économie de prédation, où toutes nos relations sont faites de prédation. Et le pire, c'est l'homme qui s'est mis au sommet de la pyramide du vivant et qui exploite le monde animal. Donc voilà le monde du cauchemar, d'où je propose une voie de sortie, et qui est de commencer à voir qu'il n'y a pas de bourreaux et de victimes. Et je peux, avec un exemple concret, donc, c'était une dame qui était venue un jour dans des constellations, une dame assez âgée, disons, moi, bon, ma vie, maintenant, ça va, elle est faite. Mais je suis inquiète parce que mon petit-fils a été renvoyé de l'école pour une tentative de viol dans les toilettes. Et je voudrais comprendre si je peux faire quelque chose pour l'aider, quoi. Et comme on sait, quoi, on constate que rien ne se produit par hasard, si un enfant de 16 ans est attiré par la violence sexuelle, c'est qu'il y a eu de la violence sexuelle dans la famille. Donc je le dis à la dame, voilà, est-ce que vous avez l'information? Qu'est-ce qu'il y a eu dans votre famille autour de la sexualité de violent? Alors elle devient toute rouge, la dame, elle dit, oui, mais je l'avais dit à personne. Et spontanément d'elle-même, on ne force personne, et les secrets, on les respecte, elle nous dit, mon père n'est pas mon père, ma mère a été violée par un soldat russe pendant la guerre. Donc voilà un enchaînement où le petit-fils, l'arrière-petit-fils d'un violeur, va être attiré par la violence sexuelle. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans le travail que je propose? Donc, ce travail, il est efficace parce qu'il va chercher nos difficultés vraiment là où on les a construites et là où nous possédons les nœuds pour les dénouer, quoi. Donc, nos relations familiales, tout commence là. Et pour avoir notre juste place dans le monde, pour être en paix avec le monde tel qu'il est aujourd'hui, malgré cet enfer où nous sommes, on commence à regarder ce qui se passe dans la famille. Alors, dans une constellation, on va choisir les personnes en cause dans cette histoire. Donc, je lui dis, choisissez quelqu'un pour vous représenter, c'est même pas elle qui doit jouer son rôle. Votre mère, donc la femme violée, la pauvre dame qui est enceinte après un viol et qui s'est mariée, a élevé une fille, donc quand même cette histoire galère, quoi, de le soldat russe qui avait violé sa mère pendant la guerre et le petit-fils. Et alors, que montre une constellation? Comme ça, on va mettre des gens dans le cercle de façon intuitive. On sort des stratégies analytiques. On dit aux gens, surtout pas avec votre tête, ne mettez pas comme vous aimeriez vous les imaginer, mais laissez-vous conduire et on va voir ce qui sort. Et ce qui se montre, c'est vraiment l'inconscient familial. Là où les blocages empêchent quelqu'un
d'aller au-delà de la survie, parce qu'on a tous appris à survivre. Mais ce qui nous manque, c'est le chemin vers la plénitude, vers notre plus grand potentiel de bonheur et de présence à la vie. Donc, dans la constellation, elle met la femme qui la représente en face d'elle, sa mère. Toutes les deux se regardent. On voit dans cette fermeture, elle ne voit personne d'autre, on voit toute la vie à laquelle elles ont accès, où elle-même a porté cette culpabilité, quoi, d'être issue d'un viol, et elle est que prête à aider sa mère. On voit une femme qui n'a pas été dans sa plénitude, quoi. Et on voit comment la mère s'est appuyée sur sa fille, comment elles sont restées enfermées dans cette relation où l'enfant est prêt à tout pour aider sa mère et la mère s'appuie sur l'enfant. Le soldat russe, il est à côté, il regarde par terre, il est très mal à l'aise. Et le petit-fils, le violeur, hein, débutant, lui est le seul qui regarde le soldat russe. Et donc, ce qu'on fait dans une constellation, c'est de souligner un mouvement, montrer les liens inconscients qui les dévoilaient. Et une phrase va permettre à ce petit-fils de comprendre le lien qu'il a avec ce soldat russe. La phrase, c'est « Moi, je te vois. Moi, je ne t'ai pas oublié. » Le soldat russe, alors, lève le regard et regarde son arrière-petit-fils. Et là, il se passe quelque chose pour la représentante de la dame qui faisait sa constellation. Elle prend conscience tout d'un coup comment le petit-fils n'est pas libre de cette histoire, comment le fait qu'elle est restée enfermée dans cette pauvre victime qui a été sa mère n'a pas permis d'intégrer le père, un violeur, hein, une situation, oui, impardonnable. Et dans les constellations, on ne dit pas du tout qu'il faut pardonner, c'est pas du tout le chemin qu'on propose. Y a des choses impardonnables, comme le génocide, mais on peut les dépasser. De quelle manière? Donc, il ne s'agit pas de dire à son père, voilà, je te pardonne parce que moi je suis quelqu'un de spirituel. On lui dit, toi, tu as accompli les actions qui avaient du sens pour toi et tu en paieras les conséquences. Toi, tu en portes la responsabilité, mais ça te regarde, c'est ta vie. Moi, je ne suis que l'enfant issu de cette union particulière qui a été l'union d'un viol et pourtant une union assez parfaite pour que de cet homme et de cette femme, moi je sois issue là. Alors, pour être libre de cette histoire, je n'ai que la possibilité d'enlever les peaux de saucisson que j'ai eues jusqu'à maintenant, de dire voilà, mon père c'est celui qui m'a élevé, l'autre c'est un salaud, et ma mère, la pauvre, je la porte. C'est de voir que je suis née de l'union parfaite d'un homme et d'une femme, quelle que soit leur histoire. Et là, je vais pouvoir regarder mon père, lui dire, tu portes la responsabilité de tes actions, mais merci pour la vie que tu m'as donnée. Et à partir de là, j'ai toute une force que je n'avais pas avant, qui va être aussi la force de la Russie derrière mon père. Une langue, une musique, des paysages, une odeur de cuisine. Tout ça va enfin pouvoir couler en moi. Et donc je vais redevenir plus entière. C'est ça, voyez, qu'on cherche dans chaque constellation, se réapproprier tous ceux qui, à partir de traumatismes, est resté à l'écart, soit par déni, soit parce que justement il y avait trop de douleur. C'est ce que tu disais quand tu disais ce qu'on refuse nous enchaîne, c'est ça?
Voilà, nous enchaîne et c'est ça le sens des répétitions. C'est pas du tout pour reproduire des malédictions, pour reproduire du malheur. Ellinger ne parle que d'amour. Il dit, à travers cette compréhension des constellations, on passe de l'amour qui rend malade, c'est-à-dire par amour secret pour cet arrière-grand-père violeur, ce petit-fils sacrifie sa vie, met sa vie au service de ce grand-père qui n'a pas eu sa place dans la famille de géniteur et est prêt à reproduire du malheur. On passe donc, quand on est conscient de la situation, on passe un amour qui guérit. Et c'est quand donc la grand-mère du garçon va dire à son père, c'est toi le père. Donc elle ne va plus interposer l'image du violeur. Tu es le père, donc merci pour la vie. Et là, le petit-fils est libre. Donc c'est comme ça que je parle comme d'un rendez-vous entre celui qui a besoin d'être une victime, de jouer le rôle de la victime, et celui qui a besoin de jouer le rôle du violeur. Il y a aussi une liberté aussi qui est retrouvée peut-être quand on se rend compte peut-être que nos parents ont eu, enfin que notre mère a eu une fausse couche et que cet enfant, on n'est peut-être pas forcément au courant. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Voilà. Tout potentiel de vie laisse une trace. Dans l'onde de vie que je suis que, nous ne sommes pas de la matière mais des ondes électromagnétiques. Nous croyons dans notre monde, dans notre univers où nous avons cadré des choses avec une naissance et la mort, sans voir que cet univers-là appartient à un multivers beaucoup plus complexe où il n'y a pas de début et de fin. Et donc, chaque naissance, chaque potentiel de vie est là quelque part. Et on réalise avec les constellations comment si avant moi il y a eu une fausse couche ou un avortement, c'est pas neutre dans ma vie. Parce que inconsciemment, dans un langage psychologique ou dans un langage plus physique quantique, disons, l'onde électromagnétique que je suis a l'information de cette vie qui n'a pas abouti. Et donc, c'est comme si je regardais un mort et qu'à chaque instant, je disais, toi, t'es mort et moi, je suis vivant. Est-ce que vous sentez la culpabilité qu'il y a dans cette confrontation ? En plus, une mère qui perd un enfant ferme une partie de son cœur pour toujours. La mort d'un enfant marque le cœur d'une mère. Et les enfants qui viennent après ont le ressenti comme si pour atteindre le cœur de la mère, c'était plus facile d'être mort que vivant. Et donc, le comportement de la personne qui vient après un mort, une fausse couche, un avortement, va se restreindre. Ce sera plus facile pour lui de se comporter comme un mort que comme un vivant. Et donc, en libérant cette culpabilité, en regardant le frère qui nous a précédés, qui n'a pas abouti dans la vie, on va pouvoir lui dire, par exemple, des phrases très simples comme voilà, la vie que je vais vivre, qui me reste, ce qui m'est dû, je vais aussi le vivre en ton honneur. Je vais te permettre de savourer la vie à travers mes yeux, en prenant l'engagement d'aller vers du plaisir, de la danse, de la musique, ce qui nous rend heureux, quoi. En honneur de celui qui ne vit pas. Donc, on passe l'étape dont Jung parlait. On permet à la conscience de prendre conscience de ce mort qui pèse. En plus, si je porte son prénom, c'est vraiment souligné, quoi, un destin de condamné. Et j'en fais un ingrédient de force.
je vais vers un amour qui guérit. Moi et ma famille, parce qu'en faisant ce travail, tout le monde va en avoir un bénéfice. Parce que la famille est comme un système de vases communicants et si je suis heureux d'être à la place où je suis, voilà, la femme, celle de cette histoire, en prenant conscience qu'elle n'a pas donné à son père la place de père, elle va permettre à sa mère aussi de prendre ses responsabilités et un enfant n'est à sa place d'enfant que quand il dit à ses parents « Peu importe comme vous étiez, vous m'avez donné la vie. Je suis la petite, vous êtes les grands, je ne vous juge pas. » On les a jugés pour grandir dans l'univers névrosé et névrotique qu'était notre famille. Mais si on veut aller au-delà de la survie, on lâche les jugements et on prend l'essentiel, comme de la chaleur qui viendrait du cœur de nos parents dans nos mains. Et on sent cette chaleur et on est vivant. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots sur la relation de couple, parce que je t'ai déjà entendu dire que notre conjoint, notre partenaire est toujours la bonne personne et des choses comme ça. Alors là, je deviens un peu plus humble parce que avec mes 3 divorces, je peux pas donner de leçons, disons. Mais quand même, ce que je peux dire, c'est que j'ai compris comment j'avais trouvé les personnes parfaites pour me faire vivre ce que j'appréhendais le plus, qui était la trahison et l'abandon. J'ai perdu ma mère quand j'avais 1 an, donc je ne voulais pas revivre ça. Mes stratégies de survie étaient de choisir des hommes faibles, fragiles, pour bien les manipuler à mon service. Donc c'est évident que le clash est inévitable, que personne n'est prêt à se laisser manipuler pour votre confort. J'ai répété la chose 3 fois, parce que j'étais quelqu'un de fort et donc j'ai résisté beaucoup. Mais ce qui est bien maintenant, c'est que je les aime tels qu'ils sont, tous les 3. Je les remercie de ce qu'ils m'ont fait traverser. Et sans leur trahison, sans leur abandon, je n'aurais pas pu être dans cette force et cette confiance que nos pires galères, je me suis coupé les veines au 2e divorce, nos pires galères sont les marches, les paliers dont nous avons besoin pour voir exactement ce qui nous manque. Guy Corneau, dans La guérison du cœur, il dit une phrase qui m'avait vraiment beaucoup plu. Quand les assiettes volent dans la cuisine, dites-vous que vous êtes face à l'homme ou à la femme parfait pour vous, avec l'inconvénient qu'il vous empoisonne la vie. Et c'est ça, nous choisissons le partenaire parfait pour nous faire mal, là où nous avons besoin de mettre à jour une blessure qui va pouvoir être libre quand je regarde ce qui, dans mon histoire ou dans l'histoire de ma famille, avait besoin d'être vu. Donc, dans mon histoire, l'abandon. Et là, donc, ça prend tout son sens. C'est pas qu'il faut être masochiste pour être en couple. Mais quand on vit dans ce regard-là, beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'on n'est pas que 2 dans un couple. Tant qu'on croit que l'on est 2, c'est mal barré. Tristan et Iseux, Roméo et Juliette, on sait comment ça s'est terminé. Les assiettes dans la cuisine, c'est quand on est 2. Quand on commence à regarder que derrière mon partenaire, il y a un père et une mère, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, et quand je prends conscience que lui, tel qu'il est, il est fidèle et amoureux d'abord de sa famille. Il est conditionné par son histoire et ses liens familiaux. Le fait qu'on soit tombé amoureux, c'est que une 15aine de personnes derrière nous l'ont choisi, lui, pour dire « c'est avec lui que tu vas comprendre ton appréhension de la sexualité, par exemple, parce qu'il y a eu la grand-mère morte en couche ».
on choisit la personne en résonance parfaite pour voir sur nous qui n'est pas... qui est retenue, qui... C'est comme si dans l'onde de vie que je suis, il y avait une partie qui ne vibre pas dans son potentiel, qui est retenue. Et ce travail nous donne l'image que nous redevenons plus entiers. Quand je me réapproprie la peur d'abandon d'une grand-mère, dans mon histoire, c'est pas par hasard que moi j'ai vécu la mort de ma mère, mon père était déjà orphelin. Donc en réglant cette peur de l'abandon aujourd'hui, j'ai intégré toutes les peurs de ceux qui m'ont précédé. De là, ma force, je suis devenue beaucoup plus entière, plus multiple. Une image que j'aime beaucoup de la compréhension que j'ai eue dans ma vie, d'abord à partir de l'intelligence des maladies, ça a été de constater simplement que si je me coupe là, par exemple, je ne suis pas obligée de rester comme ça toute la journée, deux jours, trois jours, jusqu'à ce que ça cicatrise. Ça cicatrise tout seul. C'est prendre conscience des millions de bactéries, d'entités, de tout ce qui nous habite, que dans l'intestin, je ne sais pas combien de millions il y en a, qui œuvrent dans une syntonie parfaite pour que je reste en vie. L'air que je respire, c'est les arbres qui ont assimilé la nitrite carbonique et qui ont émis de l'oxygène. Ça veut dire que mon corps ne s'arrête pas, mes poumons. Mes poumons sont aussi les arbres. Je prends conscience de comment je suis grande, immense et multiple, comment j'appartiens à cet univers. Je ne suis pas un individu libre de vivre sa vie. Ça ne plaît pas. Mais l'idée beaucoup plus forte qu'il y a derrière, c'est que je suis beaucoup plus qu'un individu. Et je vois le corps comme une grande copropriété, où chaque chose œuvre pour ma survie, mon équilibre. Et c'est là où l'alimentation prend tout son sens, parce que le cru qui est dans les résonances parfaites de l'univers, où il n'y a aucune altération, il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup dans toutes les vidéos et tout qu'on voit dans le cru, mais j'aimerais le rappeler parce que j'avais connu Jacqueline Bousquet, qui était un chercheur du CNRS de Bordeaux, qui est décédé il y a quelques années, qui avait étudié, elle s'intéressait à l'énergie forme des choses. Et elle avait constaté en laboratoire qu'une orange pressée n'a rien à voir avec l'orange dans son intégrité. Mmh. Donc ça remettrait en cause peut-être les jus de légumes, les choses qu'on se fait aujourd'hui où on altère un peu les molécules. Mais en restant dans le cru, je trouve que ça passe très bien. Donc voilà, et le cru, je crois, il a cette force de vraiment nous donner une énergie la plus légère, la plus parfaite. Jasmine, qui est l'Australienne qui ne s'alimente plus depuis des années, disait que le cru était vraiment la dernière étape d'alimentation, disons l'étape la plus légère, qui nous encombre pas, qui nous laisse beaucoup, toute notre énergie disponible pour être dans la joie du vivant. Et on le constate avec les enfants, entre les crus et les cuits, sans vouloir être raciste contre les cuits, mais les enfants cuits, ça m'est arrivé dans ma vie de faire la comparaison. Les cris des enfants cuits, c'est vraiment, ça n'a rien de comparable, quoi. C'est des aigus de souffrance presque. Les enfants crus, vous regardez où ils sont, vous ne les entendez pas. Donc voilà, ça c'est, je fais un peu de pub pour ça, parce que je suis ravie aujourd'hui qu'il y ait des gens comme Thierry Casasnovas qui savent divulguer ça avec intelligence et avec leur foi dans les capacités de régénération de la vie, les capacités, cette intention commune de l'univers auquel nous appartenons.
Et lorsque nous abandonnons à la vie dans cette confiance que le pas qui m'attend, même si c'est galère, c'est le pas parfait pour voir plus large, pour devenir plus entière, pour me réapproprier ce que je ne vois pas, c'est merveilleux, quoi. Donc, vraiment, je vous remercie à vous tous de cette jeune génération de permettre cette prise de conscience de se faire grâce à Internet. Et si je peux y contribuer un peu, vraiment, je serais ravie. Est-ce que tu peux quand même revenir un petit peu sur l'intelligence des maladies, ta vision de ça ? Oui, oui, oui. Eh bien, l'intelligence des maladies, c'est incroyable, quoi. Là, vraiment, c'est pas en deux minutes que je pourrais vous le dire. Je vais vous dire quelque chose, peut-être pour vous mettre l'eau à la bouche, pour aller voir. Informez-vous, aujourd'hui, il y a plein de livres qui parlent de ça. C'est donc la médecine du docteur Hammer qui a compris, après la mort dramatique de son fils, qui était tué accidentellement à 18 ans, alors qu'il dormait dans le yacht de son père, donc le docteur Hammer, qui était un médecin allemand déjà célèbre, reconnu parce qu'il avait fait plein d'un scalpel qui porte son nom, il constate que 2 ans après la mort de son fils, sa femme, la mère du garçon, meurt d'un cancer du sang et lui fait un cancer des testicules, alors que cette famille était en pleine santé avant. Donc il se met à interroger ses patients en cherchant si eux aussi avaient eu un choc, un traumatisme avant le cancer. Et en quelques mois, en quelques années, en ayant vu plus de 16 000 personnes, ils constatent comment le cancer est toujours la conséquence d'une situation qui nous a choqués profondément, dont on n'a pas pu parler, parce que parler de ce qui nous trouble le libère, le met dans le mouvement de la vie, donc il n'y aura pas besoin qu'un organe se modifie. Alors le sein pour la mère de ce garçon, pourquoi le sein ? Si je suis inquiète pour un enfant, si je suis dans une douleur dont je ne peux pas faire le deuil pour un enfant, l'intelligence du corps, quand je suis dans un grand stress, en réalité, je mets ma vie en danger, parce que quand je suis dans un grand stress, je ne dors plus. L'insomnie est signe que ma conscience cherche la solution, donc ce n'est pas le moment de dormir. Mais si je ne dors pas 10 jours d'affilée, je vais devenir un zombie, je ne vais même plus être capable de traverser la rue sans me faire écraser. Donc le stress met ma vie en danger. Et alors l'intelligence, la biologie du corps a trouvé une porte de sortie qui est la maladie. C'est-à-dire, mon stress va être canalisé dans un organe en relation avec la situation et lui assume, cherche la solution et le reste du corps continue à fonctionner plus ou moins normalement. Donc, une mère inquiète pour le fils, dans la douleur pour la mort de ce fils, le sein fait un cancer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le lait d'un sein cancéreux va être beaucoup plus nourrissant que le lait d'un sein normal. C'est-à-dire le corps, à sa manière, me donne une solution pour donner à cet enfant un lait meilleur pour lui permettre d'aller mieux. Notre culture médicale qui nous voit comme des individus séparés les uns des autres, qui voit le corps comme un ensemble d'organes, hein, et on a le spécialiste du foie, le spécialiste des poumons, ne nous permet pas donc d'aller vers cette compréhension de la maladie qui va rendre beaucoup plus facile à vivre. Parce que déjà, quand je comprends que même le cancer n'est pas du tout une défaillance de mon corps. Vous voyez, parfois on imagine, un cancer de l'intestin, du foie, c'est comme un alien, un monstre qui pousse en moi. C'est ça le regard que nous propose notre culture. Donc c'est insoutenable. Et on est prêt à n'importe quoi.
coupez-moi les seins, comme Angelina Jolie, qui s'est fait couper les seins préventivement, parce que sa mère et sa grand-mère étaient mortes d'un cancer du sein. C'est vrai qu'elle était prédisposée à ça, et sa vie le montre. Elle, qui est la femme la plus belle du monde, elle a adopté plein d'enfants, elle a une problématique avec les enfants, qui est sûrement celle de la grand-mère. Mais si elle avait écouté cette vidéo, elle n'aurait pas eu besoin de se faire couper les seins. Et heureusement que sa grand-mère n'est pas morte d'un AVC, parce que qu'est-ce qu'elle aurait fait? Bon, donc voilà l'absurdité de notre culture médicale. Et quand on comprend que nos organes s'adaptent pour nous donner des solutions, les gens, on est rassurés. Ah, mais alors, c'est pas si grave que ça. Et c'est là où je vais dire une chose que peu de gens aiment entendre, mais qui est une des réalités les plus graves de notre époque, c'est que les soins qu'on propose pour les cancers, eux, sont meurtriers. La chimio n'a rien de guérisseur, c'est une récupération des gaz de combat de la guerre de 14. On va tuer non seulement les mauvaises cellules, mais la plupart des bonnes. Et ceux qui guérissent malgré la chimio, c'est des gens qui guériraient sûrement sans chimio. Et combien guériraient sans chimio ? Donc ça, c'est une des choses qui a le plus de mal à passer, parce que je ne suis pas en train de dire que les médecins sont des assassins, mais ils n'ont pas les informations qui nous aident à grandir. Et le docteur Hammer, quand il a refusé les chimios à ses malades, on lui a retiré le titre de médecin pour non-assistance à personne en danger. Et quand il a continué à aider les gens par téléphone, on lui a fait un procès à Chambéry en France. Il a été emprisonné un an pour exercice illégal de la médecine. Voilà, on vit à une époque où on est vraiment entre deux mondes. Et le monde ancien s'accroche. Donc ceux qui ont la chance d'écouter cette vidéo, faites-vous votre culture, allez voir. Donc sur mon site, je peux le donner, constellationfamilialeaupluriel.net, vous avez toute une bibliographie, il y a au moins 40 livres sur la médecine du docteur Hammer que vous trouvez en librairie. Le nom d'Hammer n'est pas prononcé parce que c'est le diable en France. Mais donc dans la bibliographie que vous trouverez, faites-vous cette culture pendant que vous êtes en bonne santé. Et vous pourrez vraiment rire aux éclats quand vous aurez une maladie. C'est ce qui m'est arrivé il y a une quinzaine d'années. J'ai fait un zona à l'œil. Non, peut-être plus, il y a une vingtaine d'années. C'est très très douloureux. Je vais dans un hôpital pour dire voilà ce qui m'arrive. Oh, c'est une douleur horrible. Il me dit zona, donc je vais chez moi voir les fiches de la mère. Et quand j'ai lu le zona, donc la situation, pas vraiment psychologique, mais la peur qu'il y avait derrière, ça a vraiment été un éclat de rire. C'était exactement ce que j'avais vécu 8 jours avant, avec un de mes maris avec qui les assiettes commençaient à voler parce qu'il y avait une belle-mère épouvantable qui le tirait d'un côté. Et là, donc, quelle a été ma façon d'accompagner cette maladie? Quand on comprend l'intelligence du symptôme, voilà, c'est pas par hasard qu'il m'arrive ça, cette douleur. Et la douleur peut être un stimulant au changement, c'est-à-dire vraiment même le drap sur l'œil, c'est insupportable. J'ai dit, bon, j'en ai marre, je ne vais pas continuer à souffrir de cette manière. Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus revivre cette situation avec cette belle-mère? Et ça a été prendre conscience, mais au fond, je lui reproche qu'elle ne le lâche pas, qu'elle le tire d'un côté, mais ça veut dire que moi, de l'autre côté, je le tire de la même façon. Je lui reproche de ne pas avoir coupé son cordon ombilical, mais ça, c'est son problème à lui. J'ai choisi un homme comme ça, qui est manipulable, parce que c'est moi qui ai choisi un homme comme ça. Et donc, voilà, j'ai pleuré dans les bras d'une femme qui a bien voulu jouer la belle-mère. Depuis, les relations avec la belle-mère se sont arrangées.
Donc une maladie devient une opportunité de croissance. Ça va être le fil rouge qui me montre ce qui en moi résiste encore, que je ne veux pas voir. Et je ne dis pas que j'ai vu que des guérisons. J'ai vu, oui, quand même, je dois le dire, des guérisons de kilos de cancer. Guérir sans rien faire, de molécules chimiques, sans aucun médicament, uniquement cette compréhension. Mais j'ai vu aussi des gens mourir, mais comment dire, en paix avec leur histoire. Une dame morte d'un cancer des os, qui a dit la veille de sa mort, pour rien au monde, je voudrais revenir à ce que j'étais avant. Et là, alors, la maladie a accompli sa tâche quand elle nous rend plus consciente, plus grande. Et la guérison n'est plus le but absolu, parce que les hôpitaux sont pleins de gens qui veulent guérir. Ça ne marche pas. Si je veux guérir parce que je refuse ma maladie, parce que je voudrais revenir à l'état antérieur, ça veut dire je ne veux pas, que dire le fil rouge, faire cette traversée qu'elle me demande. Quelque part, je ne suis plus capable d'évoluer. Donc, ma vie ici, sur cette terre, n'a plus de sens. Je meurs ici, je continue à évoluer ailleurs. La maladie, c'est une opportunité extraordinaire d'évolution, de croissance. Et la guérison est le corollaire. Quand je fais ce travail, non pas pour revenir à l'état antérieur, mais simplement parce que je vois la nécessité de sortir de mes peaux de saucisson, d'être éveillé, ce que je disais au début, c'est ça l'éveil aujourd'hui. Comprendre les ficelles qui nous conditionnent et accueillir la vie dans sa totalité, sa plénitude et sa bienveillance et son amour. Où est un amour plus grand que celui qui nous garde en vie à chaque instant, de ma naissance à ma mort? Vis ta vie en lien, un nouveau souffle est à portée de main. Aujourd'hui,